Diverses activités dont des panels d'échange ont meublé cette première édition de la rencontre des professionnels archivistes, bibliothécaires et documentalistes du Bénin, organisée ce 17 juin 2023 autour de la thématique « S'unir pour mieux impacter ». L'initiative de l'Association des documentalistes, archivistes et bibliothécaires du Bénin s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des archives, commémorée le 9 juin de chaque année. Occasion donc pour ces professionnels du secteur de faire un tour d'horizon des questions liées à la profession de l'archiviste, du documentaliste et du bibliothécaire, notamment à travers des panels sur les bourses et opportunités professionnelles et le e-service. Les pratiques ont beaucoup évolué au niveau international et depuis environ 3 ans, nous avons mis à jour le programme de formation que nous mettons à jour tous les ans d'ailleurs, parce que l'évolution est constante pour refléter les implications du numérique, de telle sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on a enseigné il y a 3 ans, c'est plus la même chose qu'on a enseigné cette année. Alors cela amène donc les étudiants, d'abord les enseignants, à se mettre à jour au quotidien, afin de donner les notions les plus actuelles aux étudiants dans la formation, et donc afin que les étudiants aient les compétences nécessaires requises pour faire un travail de qualité sur le terrain. La question des archives est une question qui est propre à toutes les unités économiques, administratives, tout le monde, toutes les entités, personnes morales, même les personnes physiques ont besoin de mettre de l'ordre dans leur mémoire documentaire, c'est-à-dire tout ce que nous produisons, les actes de naissance, pour nous-mêmes, de nos enfants, de tout classer, tout organiser. Et aujourd'hui, il faut numériser. Il faut numériser pour garantir une meilleure conservation. Donc cet enjeu-là, qui est un enjeu lié à l'individu, l'aide davantage pour ce qui concerne les entités. Donc les banques, les entreprises de tous les secteurs d'activité ont besoin de mettre de l'ordre dans leurs archives pour mieux les classer, pour pouvoir conserver leur mémoire documentaire. Et c'est tout l'enjeu en réalité de la profession d'archiviste, notamment au Bénin, où on a beaucoup de jeunes qui s'intéressent, qui continuent de s'intéresser, qui sont formés, qui sont bien formés, mais qui ont du mal à s'insérer, à s'intégrer sur le marché de l'emploi. Cette rencontre témoigne de l'engagement des professionnels archivistes, bibliothécaires et documentalistes du Bénin, à jouer pleinement leur partition dans la réussite des réformes annoncées dans le secteur après l'adoption au Conseil des ministres en 2022 du document de politique de développement des archives. C'est vrai que cette activité est organisée dans le cadre de la Journée internationale des archives. Mais nous ne nous sommes pas limités seulement aux professionnels archivistes, mais à la fois aux archivistes, aux bibliothécaires et aux documentalistes. Comme vous pouvez le constater, les échanges sont très intéressants. Les collègues participants apprennent énormément. Et nous espérons que de cette rencontre, il y aura encore d'autres initiatives pour que les métiers ou bien les professionnels des archivistes et des archivistes bibliothécaires et documentalistes actualisent leurs connaissances et répondent mieux aux besoins du marché. C'est pour cela que nous réunissons ce soir tous les acteurs, à savoir les étudiants en formation, les professionnels en fonction dans les différentes structures et institutions de l'État et les prestataires, les structures qui exercent dans le métier, pour que nous puissions réfléchir et faire des propositions concrètes. Parce que nous avons constaté qu'il y a trop de laisser-aller en termes de projets et de marchés d'archivage, de prestations d'archivage. Il faut chercher à uniformiser les pratiques, à harmoniser les pratiques pour que l'effort que le gouvernement est en train de déployer puisse se ressentir sur le métier et les archivistes qui les exercent. L'appel que je veux lancer, c'est que le gouvernement, à travers ses efforts après l'adoption de ce document, puisse nous accompagner à matérialiser les choses concrètes comme le vote de la loi sur les archives au Bénin, l'institution du corps des archivistes dans une fonction détachée et beaucoup de choses que nous aurons le temps de proposer sur ce tapis au gouvernement. Notons que le document de politique de développement des archives, adopté en 2022, donne 8 années aux professionnels pour réfléchir et faire des propositions concrètes au gouvernement en vue de valoriser les métiers d'archives et de documentation au Bénin.